Normalement, je viens d'accepter, si tout se passe bien. Hey! Incroyable. J'ai testé des nouveaux robots. C'est quoi déjà je sais jamais. Pour repasser en QWERTY, à chaque fois j'oublie. Shift. C'est pour ça que j'étais à la peine hier dans Fall Guys quand on jouait au voleur et au gendarme, parce que Shift c'est grab et Alt par défaut c'est marquer invisible. Donc dès que je voulais être invisible en tenant un bonbon, ah ben, je comprends plus, j'avance plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il m'a attrapé. J'avais J'ai dépensé. heureux que c'est en AZERTY. J'avais dépensé, mais j'ai bien dépensé toutes mes clés en fait, je suis à zéro clé. Et ouais, pour l'instant, t'as que ce robot-là. Je crois. Ouais, je crois qu'on en unlock un quand on finit une run ou bat un boss au moins. Je crois Pam, pam, qu'on n'a pam. pas réussi à aller très loin. On avait battu que le boss qui explose là. On l'avait. Ben non, on l'avait pas battu. Si, on avait fait une deuxième game, on l'avait battu. Attends 2 secondes, est-ce que sur Discord, du coup, t'es à fond ou pas? Comment je Je fais déjà? m'entends toujours pas bien. C'est juste pour m'assurer que. Mon volume d'entrée est à fond dans Discord. Ouais, mais quand il y a une conversation à deux, je peux même pas te baisser ton son aussi. Façon. Ici, tu fais bouton de droite sur le petit portrait du bonhomme et volume utilisateur. Bah moi j'ai pas ça. Ah, peut-être ici. Ah ouais, non, c'est bon, t'étais bien. Ok. On est bueno. Moi j'ai un robot qui spawn des petits drones. Je sais pas si tu vois, j'ai des petits drones derrière. Ah. Ils vont attaquer et en fait c'est pas mal. J'ai commencé à jouer avec lui là. Avant je jouais avec le robot ninja. Et c'est pas mal parce que il leurre un peu les ennemis qui les shootent, plus ils te rajoutent de la puissance de tir. Ils sont pas ouf, mais une fois upgradés. Ça n'a pas l'air de marcher de ouf le feu sur les robots aussi. Ouais, ça fait des dégâts sur le long terme. Pam. Donc ouais, oublie pas, tu peux courir en maintenant en shift. Et quand tu cours, par contre, tu peux pas tirer. Il va interrompre ton tir. Je propose qu'on aille plutôt derrière là dans la zone violette en premier parce que c'est là où on va choper un petit challenge avec une arme. Ok. Une vraie meilleure arme. Et tu tues tout le monde. Ouais, c'est les bots surtout qui tuent tout le monde. En fait, si on va vite, on a des bonus. Coucou beau gosse, je débute sur Twitch, je te follow en retour. Pas tout de suite, mais peut-être après. Mais bienvenue en tout cas. Zetrax. Les projectiles sont explosifs. On choisit un. Moi, je veux le truc de droite. Le droite, c'est juste des. Pas de soucis, merci. Bah, merci à toi. Merci pour le follow. Y a quoi comme arme? J'ai pas repris une arme, je crois qu'à droite c'était juste des machins bleus là, des énergies. Oui, d'accord, t'as pris le raid du camp qui te permet d'avoir des énergies dans le corps. Ouais, ça te permet d'acheter des trucs tout au long de la run. C'est pas mal. Est-ce que du coup tu veux une arme? Oh bon. Là ça va, hein, elle tire celle-là. Ouais. Lourde en revanche. Et c'est sympa parce que ça fait grosse sulfateuse qui remonte.
Et en plus qui fait de la foudre, donc la foudre ça stun les ennemis. Surtout la foudre c'est quand même le truc le plus stylé quoi. Bah là dans le jeu je trouve ça pas mal en effet. Après je suis pas. Moi c'est plus en termes de style pur. Hein. Bah les flammes ça fait plus de dégâts mais en fait ça altère pas alors que quand tu stun tes ennemis ou que tu les gèles, ça peut vraiment te sortir de situations un peu merdiques. Oh il y a une arme bleue. Ouais mais bon j'aime pas jouer ça. Et lui du coup il dit ah je peux améliorer, ok. Hop. Et là on peut toujours pas y aller parce que j'ai pas ce qu'il faut, c'est ça? Ouais ça va être unlock quand t'auras fait des trucs. T'auras ouais, je sais plus de... Voilà. Voilà. Je n'ai même pas regardé ce qu'il faisait le choc canon, mais il a pas genre 30% de chance de faire un rebond ou un truc comme ça dans ses affiches. Non, 15% de pénalité de déplacement des armes lourdes, 15% de vitesse de déplacement en tirant, infliger des dégâts de foudre et non, c'est tout. Vas-y, drop-le-moi, fais F, parce que moi je peux reroll ses affixes. Pas du gratuitement, comme c'est une arme verte. Il a quoi? Ah oui, bah l'intérêt c'est que t'es moins lent quand tu tires avec. Les ouais, armes ouais. Lourdes quand tu tires c'est, avec. Moi j'aime bien. Si tu veux un truc un peu plus rigolo, genre ça rebondit ou ça traverse les ennemis, bah, je peux te le reroll gratos. Comme tu préfères. Non, ça c'était bien. Moi, j'aime pas trop être lent. Ouais, donc on a pas d'autre chose. Ah mais c'est les tiens, putain, j'ai trop con, j'étais en train de tirer sur tes robots. Est-ce qu'ils ont pas de barre de vie au-dessus là. Ah si, mais une barre verte. Ah oui. D'accord. Ouais, maintenant, moi j'ai quand même upgrade qui fait que je sens avoir un troisième. Bon après, à chaque fois ils tirent, ils font moins mal. J'en ai moins, ils font mal. Je fais zéro dégâts. Hein. Carry-moi. Je fais pas plus de dégâts que toi en fait, les dégâts sont juste corrélés au niveau de ton robot. Et à l'arme que... Ah oui c'est vrai qu'il faut appuyer sur H pour monter les trucs. Donc en fait, je fais pas plus mal ou quoi que ce soit. Ça dépend vraiment de l'arme que t'as choisi, mais on va en trouver d'autres. Paf, maintenant j'ai des dégâts de glace sur mes dégâts en plus. J'ai pris les dégâts comme une merde, je marchais dans le... Ouais. Moi je me suis bloqué sur la trajectoire du tir. Oh. Bon, en fait le truc par défaut de ton perso c'est il fait plus de dégâts quand ton chargeur est plein. Donc faut toujours que tu t'assures d'avoir un chargeur plutôt retardé ou d'avoir ta barre de refroidissement, enfin d'énergie, ton arme énergétique pas trop haute. D'accord. Et ça augmente tes dégâts. Le subtility, ça doit s'appeler. Il y a tellement de machins bleus qui drop. Avant j'en avais jamais. Cellule là. Ouais. Vas-y, je vais jouer full full dégâts de typé. Tu vois là si on avait fait un meilleur temps, on aurait eu un meilleur bonus de clé et de cellules. D'accord. Plus tu fais plus tu arrives à bien tuer les ennemis, alors je sais pas trop comment ils calculent, c'est le nombre d'ennemis tués, je crois. Et plus tu vas vite, donc toi qui aimes bien les speed leveling, ça peut être des challenges pour choper une récompense d'aller vite quoi. Pense à upgrader ton robot si t'as gagné des niveaux, ça peut être l'indicateur. Ah ouais bah je fais des dégâts de glace en plus.
Cravate moche. Allez, full drone, bim, un quatrième drone. Plus de dégâts contre les boss, c'est bien ça. Ouais, c'est pas assez de cellules, c'est cool. J'ai pris ça. Moi j'ai toujours mon arme niveau 1 du début. Il n'y a pas eu beaucoup de drop d'armes, j'ai l'impression. Oui, parce qu'en fait, pour que les ennemis drop des armes, il faut que tu aies un item spécifique que tu actives et que toi tu n'as peut-être pas déjà. Et l'autre fois, ça le faisait parce que je l'avais pris, mais là, je ne l'ai pas pris. Donc, Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est sinon, sinon, on les trouve dans les zones violettes ou oranges. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de. Spot sur la carte ou chez les vendeurs en échange des robots vendus. En fait, je pense que c'est lui l'énergétique. Allez. J'ai réglé mon arme, mais j'espère que je rentre les meilleurs. Ready? Let's go. Là, je trouve ça trop cool de faire des dégâts typés comme ça. Ouais, la glace ça ralentit les ennemis, l'électricité ça les stun, donc si t'arrives à avoir les deux. Bah là j'ai les deux. Hein. Ouais. Les lobes quoi. Et en plus ouais quand ils sont gelés, je crois les dégâts de glace augmentent. Et l'ennemi après. Ah, et puis je ressaute le temps. Bah, j'oublie que j'ai un bouclier, je l'utilise jamais quoi. Ah, c'est toi qui fait des trucs qui rebondissent dans tous les sens hein. Non, je crois pas. Qu'est-ce que c'est une arbalète qui rebondit par défaut. C'est la fille par défaut d'arbalète. Je même pas fait. Et après la fixe spéciale que j'ai chopé en plus sur cette arbalète, c'est 15% de chance de faire un tir de shotgun, donc plein de tirs d'un coup. Et ça c'est génial, j'adore en fait cette affixe. De temps en temps, vas-y on retourne de l'autre côté là où il y a les violets. Ouais, c'est tout bon. Je regrette toujours autant la non-présence de grenades. Hein. Oui, mais oublie pas, t'as ton. On a deux pouvoirs à chaque fois. Ah oui, toi, c'est du corps à corps. Mais ça te fait gagner plus de cellules de vie quand tu butes un ennemi au corps à corps. Ou quand tu shoots, quand tu touches juste un boss avec. Je suis pas très frais en termes de vie. Ouais, j'en ai pris plein la tronche aussi. Oh, comment? Ouais, j'aime bien tous les passages. En plus, toi qui aimes des trucs de plateforme, tu vas kiffer, il y en a plein de. Bah, je suis clairement meilleur en 2D qu'en 3D. Mais... Alors, Mortar, on a dit que c'était nul. Hein. Ouais, y a... Ouais, bon. Pick-up power cell, mais c'est une jaune. Ah non, non, c'est juste que t'es là un truc, okay, c'est normal. Ou le power cell. Pouet, pouet, pouet. Alors, faut faire gaffe quand tu. Avant de partir, on est en pause quand on a franchi. Le timer en pause dès qu'on a franchi le sac et qu'on a ouvert les coffres. Par contre, dès qu'il y en a un qui repart au début de la room, ça annule la pause. Même si je reste à l'intérieur. Ouais, regarde, okay. Tu vas voir le symbole de pause. Ah, oh, mais je me jette comme un âne sur le pire des ennemis. Vraiment.
Toi, t'as tellement de robots. J'ai pris un truc qui fait aussi du... attends, non, pardon, faut pas qu'on sorte, je pense. On a pas tout fait prêt. La zone orange. On va choper des trucs cool dans la zone orange. J'ai pris un truc qui stun aussi pour... on les stun plus vite. Espérons que ça nous se cumule entre nous deux, je pense. Oh, j'ai tout pris. Oh, quel nul. Aïe, ah putain, mais il est derrière, j'avais pas vu. Aïe, 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 aïe. Sur la minimap en haut à droite, position de prison. Ah bah quand je suis en train de tirer sur les autres, je fais pas trop gaffe, j'avoue. Oh, quel dark sac, quel dark. Tu sens ton niveau de défoulement augmenté ou pas là? Oui, moi ça... Même quand je suis libre, il sort des trucs. Ah merde, fallait pas aller là. Putain, j'ai déclenché le robot. Ouais, c'est pas grave. Pareil, toujours, on l'a déclenché plein de fois, j'ai pas réussi à l'équiper. En fait, je voulais juste aller me cacher et bah non, c'était. La caméra porte beaucoup de... Oh, quel... Ah, je suis vraiment à la peine. Donc là, t'es parti où, là? Okay. On va dans la orange. Ah, il y a un vide, ouais, quel... Yes. Là, je pense qu'on va aller chercher la vie. Et sous la caisse, ah, il reste une amie. Pouet, 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 pouet. Il y a un point d'interrogation, mais il faudrait pouvoir double sauter encore, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le problème de cette zone, c'est que c'est cool parce que c'est un truc qui te donne un niveau, mais il faut que tu aies chopé un. De quoi double saut. Choc canon, c'est celui que j'ai déjà? Non, il est bien, c'est celui qui rebondit, il fait la même chose que toi, mais il te ralentit pas, il fait moins de dégâts, mais en plus... Non, mais c'est le même, il a le même nom, Shock Cannon. Ah non, oui, pardon, c'est celui que j'ai, Shock Rifle. Non, mais il est niveau 4. Ouais, pas tant qu'à faire, autant prendre niveau 4. Ok, donc on va le prendre. Du coup, tu dois voir mon ancien, je sais pas si tu peux les revendre ou quelque chose. Non, je peux rien faire, bizarre. Enfin, en tout cas, je sais pas trouver de quoi. Piou. Faut se prévenir quand on va redémarrer. Bah du coup je vais attendre que tu partes à chaque fois. Ah mais il a pas de dégâts électriques lui. Ah bah si. Ils ont pas la même couleur j'ai l'impression. C'est parce que tu fais aussi de la glace. Ouais mais il me semblait que tout à l'heure j'avais deux couleurs mais que ça doit être moi qui fume. Ah, je sais pas du coup. Ok, là on peut sortir. Pouet. D'huile. Longbow. Oh non, c'est aussi nul les arcs dans Gunfire ou pas? Alors l'intérêt c'est que... Enfin ça... En fait, plus tu charges longtemps, plus ils vont avoir une bonne portée, mais tu peux enchaîner des tirs au corps à corps assez vite. Sinon. Et ils ont souvent des affixes assez sympas et en fait comme ils ont...
La cadence de tir dépend de ton recharge, ta vitesse de rechargement, vu que tu tires un truc à chaque fois. Par contre, ils ont aucun type de projectile. Ils ont pas de type ni énergétique, les bonus des uns et des autres. C'est censément fort, mais... Okay. Est-ce que tu veux un torpedo gun électrique ? Pourquoi pas ? Pouette, pouette, pouette. Si tu veux tester le crossbow, il est niveau 1. Mais... ouais, est-ce que du coup tu veux un torpedo gun qui fait de l'électricité? Ouais, ouais, chaud. C'est le petit pistolet qui balançait 5 roquettes d'un coup. Ah ouais. Torpedo gun. Ah oui, t'es bien lui. Putain, t'es parti faire de la foudre et de la glace. Ouais, qu'on a. Pédé, pédé, pédé. Pédé. T'es où? Ah oui, là. Bon, on pose tant qu'on est pas sorti. Tant qu'on est sorti d'armes. Tout de suite, quand on a un torpedo gun, on cligne la salle plus vite. Ouais, puis le nombre de machins d'énergie qui drop par rapport à la première game, c'est où? Je me demande si c'est pas lié à un upgrade du camp de base. Mais tant mieux. Que la dernière fois, je galérais à en avoir 3 ou 4, là j'en ai encore 12 alors que j'en ai déjà dépensé 12. Ils sont nombreux là. Oui, oui, c'est... Tu regardes une barre rouge de vie en haut qui indique qu'il respawn. Enfin, il faut tuer tout le monde dans la salle. Ouais. Ouf. Ouais, on est clean, désolé, j'ai pas regardé mes drones, j'ai pas vu qu'ils étaient. Pouet, 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 merde. Progressivement. Let's go. Allez, le boss. Alors, qu'est-ce qu'on a comme amélioration? Augmente les dégâts critiques de 60%, mais réduit tous les dégâts de 20%. Faut shooter les points rouges sur les robots, quoi. Leurs yeux, ouais. Leurs yeux rouges. Leur... Pas sûr que ce soit une bonne idée vu comment je joue moi. Bah, surtout, regarde par exemple le torpedo gun. Il fait les armes explosives font pas de peuvent pas faire de dégâts critiques. Et bah voilà. Si elles ont un affixe spécifique. Et du coup, je peux pas te le prendre pour toi. C'est, je peux pas donner. Ah, non. Ouais, non, on peut pas s'échanger. Mais... Okay. Gunfire. Dommage. Ah, j'oublie de monter mes talents à chaque fois. Anytime you're ready. Allez. Ah, pas lui celui-là. Je te laisse découvrir ces quatre. Ah, ok. Faut sauter là. C'est ouais. Le double scoop. J'ai pris les deux. Et plus on avance, plus il va faire de rotation à chaque fois au début dans le jeu. Et il accélère. Ah oui. Tourne. Putain, je prends tout, je suis à chier quoi. Oh ouais, mais là c'est cool parce qu'avec le. Ah merde. Comme on fait tous les deux du choc, on a réussi à le stun. Aïe. Oh là là là, j'ai crevé hein.
J'ai pas l'impression vraiment là. J'ai pris 80% des trucs qu'il m'a envoyé à la tronche. Normal, comme t'anticipes pas les patterns, donc tu les connais pas. Donc ouais, il fait des flammes au sol, des zones de flammes, il fait son truc où il tourne et puis il balance en fait des roquettes de son dos. Il tombe, ça va hyper vite, ça fait une zone au sol avant de tomber, donc faut regarder ses pieds ou faut avoir de la chatte, quoi. Human maggot, seriously? Just a couple more seconds. Mais ouais, tu traduis pas en français pour ton stream, quoi. Non. Bravo. Mais tu le fais pour moi, donc. Francophone. Ah, c'est une grosse porte, hein. Sésame, bouge-toi. Ça marche. Donc ouais, là, du coup... Je pense que t'as dû unlock un truc. Non, peut-être pas encore. Il t'a pas indiqué que t'avais unlocké quelque chose. Je crois pas. Pouet, 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 pouet. Alors c'est quoi ça? Augmente les dégâts de foot de 25%. Ouais, non, non, fais, prends pas ça. mais on peut s'assommer. Non, mais t'as que 2% de chance de t'assommer. Ouais, d'accord. Vas-y. Bah, fais tes... Ouais, j'essaye. Ça va mourir, mec. Ah, bah, je l'aurais essayé. Ah, j'ai trouvé. Surtout quand t'as une arme qui a une grosse cadence de tir, tu te stuns tout le temps. Et quand tu te stuns, c'est comme les tourelles qui stuns, là, faut que tu fasses trois fois une direction avec les flèches. Mais souvent, t'es en pleine action et tu t'y fais pas et tu fais de la merde. Bah comme ça, ça m'apprendra à essayer. C'est ça l'intérêt du jeu, découvrir les trucs. Mais moi, ceux-là, là, il y en a un avec la glace aussi qui te freeze. À chaque fois que je les ai essayés, je suis mort comme une merde. En rageant. Ah, putain de jeu, putain de RQ. Oh, mauvais moment. C'est chiant de devoir rush pour... Merde, mon arme. Putain, mais je vais appuyer sur le bon bouton au bout d'un moment ou pas? H. Ouais, c'est tout l'équilibrage du jeu. Est-ce que tu restes loin, tu te plantes, mais tu récupéreras pas forcément les bonus. Je suis pas stun encore. Pour l'instant, bien. Ah, assommé, non. Je sais pas si quand t'es assommé tu peux utiliser... Est-ce que je peux me mettre mon bouclier ou pas? Tu peux rien faire en fait tant que tu te sors pas de boost. Mais test. Ça a pas l'air de marcher, mais effectivement c'est infâme. Comme ça t'arrive. Et
Donc en gros là tu peux plus utiliser d'armes électriques. Hein. Tu pourras pas retirer ce bonus. Enfin, tu peux plus. Tu peux, hein. Non mais je vais la garder comme ça. Hein. Oh mais. Mais qu'est-ce que je. Parce que là j'ai eu des augmentations des dégâts d'explosion, ça va pas mal avec l'arme que j'ai. Hein? Alors, faut passer là dans le trou, sans se prendre des boules de feu, et repasser dans le trou, dans la foule. J'y arrive jamais, hein. Moi je suis nul. En 3D comme en 2D. Oh, j'ai tout pris. Bon, j'ai pris juste un coup de boule de feu, je crois. Juste. Il y a beaucoup. Là, j'ai lâché mon shock rifle si tu veux un truc électrique mais plus léger et qui fait des rebonds. Autocritical, bah, comme son nom l'indique, hein, t'es pas obligé de toucher la zone pour faire un critique. Quand tu es en mode je vise pas trop, c'est pas mal. Pas évident de regagner de la vie dans le jeu, je trouve, par rapport à Gunfire. Eh, faut... Ah, et puis comme... Ah, comme on n'a pas fini la zone, on peut pas aller dans le truc qui nous donne de... Tu as le blast. Bon, merci. Bon, et bah ça va être compliqué parce que là on va se taper plusieurs salles avec plein d'ennemis, là, tu sais, tu descends. Tout va bien se passer. Vas-y mes petits drones, faites le tas. Ah assommé, aïe aïe aïe. Il est relou envoyer des trucs au sol lui. Ah il faut balance des barres là. C'est... J'ai plus de vie c'est ça, ouais. Hey, New Perk, attends, attends. H. Comme j'ai choisi un truc. Ça a rien augmenté du tout, j'ai rien compris. Oh, je les stun, je les stun, oh, oui. Je peux récupérer un peu de vie. Pas beaucoup. Tu veux aller à gauche ou à droite? Droite. À gauche. Putain, non, elle s'active super vite, quoi. Bon, j'ai pas pu la tirer dessus. Dès que tu t'approches de la zone. Donc là, salle blindée d'ennemis. On peut ouvrir la porte sans rentrer déjà pour observer un peu la configuration. Donc moi ce que j'aime bien faire dans ces situations là, c'est voir buter les tourelles rapidement parce qu'elles ne respawnent pas. Et puis ensuite essayer, genre, on est pas mal, il y a deux gros piliers où on va pouvoir se planquer et un certain nombre de tirs et shooter juste ceux qui s'approchent comme j'ai mes drones. Sinon je pense qu'on va pas la passer cette salle comme j'ai mes drones qui vont pouvoir shooter sur nous. Mais après je suis ton cœur. Ok. Go. Allez. Go.
Aïe, putain, il fait mal. Ça m'entraîne au stun, hein. Franchement, c'est pas si mal. Hein. Ça m'entraîne à réagir quand je me fais stun. Bon, on est géré. C'est bon. On ne se sent pas dans le tas. Je crois qu'il y en aura une deuxième plus tard. Là. Ils font tellement mal, t'es drôle. Ah ouais, parce que là, ils sont 4 et ils ont 2 armes supplémentaires de base. Donc même s'ils font tous moins de dégâts, c'est cool parce que 1, ils distraient un peu les ennemis. Et 2, c'est comment tu me prends. Incroyable. Ah bah forcément. Merde, je me suis trompé de bouton. Première fois que je vais aussi loin, je crois. Ouais, on gère mieux là, c'est cool. Oh. Nous avons une arme légendaire jaune de Smith, mais c'est un lance-mine. Une des armes les plus nulles du jeu. Fire Launcher violet. Ah, ils ont plus d'affix quand ils sont violets. Ils sont... Et Fire Launcher Hit Scan, ça peut être pas mal, non? Fire Launcher, c'est plus ce qu'il fait. Ah ouais, c'est juste une sorte de lance-roquette qui balance des boules de feu. Enfin, juste, c'est cool. Hein. Test, de toute façon, il y a plein d'armes différentes. Le but, c'est d'expérimenter des... Et les dégâts de feu. Alors, attends, feu et... Chauve, 0,8% de cadence de tir en 20 secondes en tirant. Instable, 10% de dégâts, mais 10% de coût d'énergie par tir. Vitesse de rechargement. Bon, bah, essayons là. Faire des dégâts de feu. Ça me tentait là, pas trop. J'ai toujours pas trouvé les data catalogues. Enfin, j'en ai un sur deux et l'autre je sais pas du tout. Ouais, pardon. Oh non, rien. Ah oui, attends, je vais reroule des affiches de mon arbalète. C'est gratuit pour moi. Ouais, les armes vertes et bleues. Tu peux reroll des affixes gratuitement, donc si tu as une arme que tu trouves cool mais qui a pas les. Y a pas les caractéristiques qui t'intéressent. Non, ça me va. Il y avait un truc à acheter là, ça me paraît pas ouf. Ramasser des réparos globes rend une munition et 3% d'énergie, ça me paraît pas. Bah quand t'es en mode vraiment contact, foncer dans le tas, c'est cool parce que tu peux tirer un peu non-stop quoi. Quand il dit qu'il te redonne de l'énergie, c'est qu'il baisse ta jauge de chauffe. Ça me paraît moins fort, par exemple, que 15% de dégâts sur les boss, quoi. Mais 15% de dégâts sur les boss, c'est que contre les boss. Donc, oui, bon. Boss. Mais ma fenêtre là, elle commence à faire chaud. Mon PC il est en hyperventilation là. Ouais.
Pouet, pouet. Allez. Tu fais quoi, t'essaies les rerolls? Comme c'est gratuit, j'essaye d'avoir des trucs cool, mais c'est des trucs de naze. Désolé, quand même pas traîner non plus. Est-ce que tu peux reroll à l'infini? J'ai chopé un item dans les upgrades de camp qui permet que ça coûte un de moins les rerolls chez ce mec. Et sur les armes vertes et bleues, ça coûte un. Donc un point, c'est gratuit. Et ça permet de calculer. Donc c'est cool pour essayer de se faire une arme un peu avec des petits affixes funky quoi. Je vais passer 3 heures et je vais jamais m'arrêter. Yes. Ouais. C'est quoi ça? Augmente les dégâts bonus de qualité supérieure de 10%. Bon, c'est ce que je te disais. Top quality, la qualité supérieure, c'est quand tu as assez de balles dans ton chargeur ou ta barre de chauffe pas trop élevée. Tu faisais genre 15% de dégâts en plus. Donc là, ça fait 25%. Mais du coup, quand est-ce que c'est qualité supérieure? Parce que là, par exemple, j'ai 4 balles dans mon truc. Que la première? Regarde, si tu fais tab. Regarde ton chargement ton premium, oui. Robot, tu dois avoir en bas. Si t'as une icône d'arme, une icône de tête de robot et une icône de chevron. Si tu vas sur l'icône de tête de robot, tout en bas à droite, il t'indique le passif de ton robot. Mais comment il dit, Ok. Niveau 7 machin. 75% de tes balles dans ton serveur. Au-dessus de 33%, ouais. Bon, on va essayer de prendre ça, on verra. Ça sert à quoi? C'est pour nous jeter dans la bataille. Oh putain, c'est chaud ici. Ah, il faut courir? Ouais, faut courir, mais va falloir passer sous des obstacles laser et tout ça. Eh bah, let's go. Vas-y, va d'abord, parce qu'en fait, si on suit, il y en a un qui va se prendre le truc. Ouais. Toucher le sol, dommage. C'est bon. Ah, mais tu peux même te faire toucher quand t'es à la fin? Parce que il faut que je... Ah, quel nul. Il faut qu'on franchisse tous les... Ah, je suis deg, j'ai pris trop cher. Oui, quand t'arrives, tu te planques et t'attends. Pardon. Il faut Nia Inu. Ah oui, là, ça commence à devenir meilleur.
Ah merde, je suis parti en arrière. Là, le retour des salles avec plein d'ennemis. Donc la porte juste pour voir un peu la configuration avant d'entrer. Aïe, ça me fait ouvrir. Il y a des endroits où on peut se cacher ou pas là? Bah en fait pas trop je crois, et donc faut tourner. Tu peux prendre les rails qui te font aller de gauche à droite. On peut se cacher derrière les espèces de barrières. Beaucoup de petits drones. 97 points de vie, c'est pas beaucoup de points de vie. S'exposer sur les fiches. Aïe, aïe. Aïe. Bon. On va pouvoir reprendre de la vie. Ouais. Bon, bah on va voir, mais je vais te laisser clean, moi. Hein. Alors, du coup, je reroule des trucs. Pere. Les traductions sont cheloues quand même. Deux éclats qui infligent 11 dégâts et qui appliquent beaucoup d'impact. Ouais, j'ai pas trop compris l'impact. Je me demande si de base tu peux pas stun tes ennemis indépendamment de. Enfin, je sais pas ce que c'est en fait.
Aïe. C'est le truc qui est un peu relou quand tu joues à deux, je pense. C'est qu'il y en a un qui a des chances de tir et t'arrives juste derrière, qui se barre et que t'arrives juste derrière, ben, du coup tu prends. Et oui. Ah mais c'est que t'as avancé en fait. En fait c'était robots qui ont commencé à tirer sur les sur les ennemis. Le petit stun en plein milieu là, sympa ça. C'est quoi les dégâts des raflures? Ah, c'est... Ah oui, oui, ok. Oui, c'est... Quand tu perds de la vie, il y a une barre grise en plus de ta barre. Ouais. Et cette barre grise, a priori, tu regagnes plus de vie quand tu... Hop, c'est à dire, on peut se planquer un peu à gauche, là, derrière. Le... 3, 2, 1, let's go. Je laisse mon drone faire le taf. Aïe, 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 oh j'ai tout. J'ai cru si fort ça là. Assommé, aïe, aïe, aïe. Dans ce genre de salle, les dégâts d'explosion, c'est si fort. Ouais, et puis tout ce qui rebondit, tout ça, dès que t'as des environnements un peu fermés, ça peut faire des... Quand tu commences à avoir projectiles rebondissent, explosent, percent les ennemis. J'avoue que ça fait des trucs un peu artistiques. Du coup, comme j'ai des dégâts d'explosion qui sont plus gros, du coup, les zones d'éclair et de glace aussi. Les zones d'éclair et de glace, ouais, je crois pas que ça joue. Ah, parce qu'elles font des explosions aussi. Ouais, elles lâchent les mini-bombes. Les... Ouais, c'est ça en fait. Plus on avance dans le jeu, plus tu combines des affixes, plus du coup, les armes sont détruites. Bon, j'ai pu me heal un peu, mais... Ouh. Blast Shotgun. Elle fait tellement moins de dégâts que mon arme. Je garde le torpedo. Ah bah voilà, là il y a une capsule. Et c'est peut-être celle que t'avais déjà rechopée. Ça peut être celle-là que j'ai chopée, je sais pas où est l'autre. Est-ce qu'on se dit que de toute façon on va pas passer ce boss, donc autant dépenser nos énergies, ou est-ce qu'on pense qu'on est fort? Allez, on est fort, on va y arriver. Oui, bien sûr. Oh putain, alors lui. Alors faut quitter ces petites merdes là au sol, parce que ouais,
D'accord, d'accord. Pour pas se prendre quand tu te trompes dessus, et puis là, bah ouais. Ouais, parce que sinon elle te lock, cette petite merde, et quand tu te poursuis avec son gros feu de l'enfer, tu peux lui échapper. Elle a décidé que c'était toi. Ouais, ouais, c'est mon mission. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! C'est bien, le vilain. C'est sympa. Vas-y, encore plus, hein! Ah là 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 là! Et puis si tu butes pas ces petits dades, ah, c'est bien. Allez, je suis en bas. Ah, ok. J'ai oublié le vilain. Bah lui, du coup, c'est cool parce qu'à deux, il alterne le focus et ça permet qu'il met un petit. On l'a trouvé, non? Ouais. J'ai quasiment pas perdu de vie. Moi j'ai perdu pas mal, mais on est bien sorti quand même. Ouais. Reprendre de la vie là. Ça oui, faut qu'on dépense nos trucs, on est nul. Bah en fait quand t'es tout seul et que tu te prends tes focus tout le temps, il est chaud ce boss je trouve. Mais là c'est vrai qu'à deux, tu pouvais le shooter pendant qu'il s'occupait de moi à l'inversement. Moi j'ai shooté tout le temps, hein. J'ai pas arrêté. Mais et surtout j'ai eu de la chatte parce que je me suis jamais fait stun par mon arme aussi. Ouais. De plan. Ah. C'est quoi, c'est la planète qui est ravagée par l'être humain encore? Ils ont fait des super villes avec des robots et puis à un moment je crois que les robots. Voilà. Ils sont rebellés. Les méchants robots. C'est Terminator en fait. Rise of the Machine. Donc là c'est l'avant-dernier niveau. Enfin, je spoil pas. Mais j'aime bien en fait le design. Junk Beam. Niveau 10. Une arme légendaire et encore une fois une arme légendaire nulle. Et ça c'est un. J'ai 11 et ça coûte 12, c'est ça? Non, 6. Augmente les dégâts de tir secondaire de 70%. C'est les trucs en orange sur tes armes. Les affixes orange. Ah, j'en ai. En général, c'est pas génial. Super. Là, super. Non mais je crois que de toute façon le torpedo gun il n'y a pas mieux donc je vais rester sur ça pour l'instant. Je montre. Ce revolver légendaire. Légendaire. Ah, nouvelle amélioration, j'ai oublié. C'est un fait une revolver. Et franchement. Allez, j'augmente ma santé. Comme ça, j'ai plus de vie que toi. Tellement rare les légendaires. Légendaire. Ouais. Et pourtant, du coup. Elles sont longues les runs. 1h30 je dirais. Enfin pardon, même moins. J'ai fait 45 minutes. Ouais mais de in-game time. Parce que là le temps il est bloqué à 34 minutes mais le live il est à 1h déjà. C'est l'avant-dernier niveau. RoboQuest. Donc là c'est open, il n'y aura pas de zone, c'est une ville et on se déplace comme on veut. Les gros points rouges c'est des boss intermédiaires. Pour faire gaffe, en revanche ils vont donner la race de vie. Donc on lâche la race de vie.
là on a un boss intermédiaire pas loin. Ils ont des patterns. Ouais, là tu peux vraiment tout faire en hauteur. Oh putain, j'ai déclenché. Merde. Ah, j'ai éperdué. Ah, je me suis croisé un Abdal. Je crois qu'il allait le provoquer. Non, le boss. J'ai perdu derrière moi. Aïe, aïe. Pourquoi je peux plus bouger? Ah mais c'est lui là. En train de finir le boss qui est le boss intermédiaire qui s'est coincé. Voilà. Il y a plein de vie, du coup il a lâché plein de vie là où il est. Mais il est où? Ah. Dommage. T'as vu ou pas? Non. J'ai été tuer les petits connards derrière. Elle a les boss intermédiaires et il lâche pas. Aïe! Putain, mais il y a du monde de partout là! Faut faire gaffe, ouais. Il y a des petites tourelles en fait, je sais pas si t'as vu des fois sur les murs. Je suis tout en haut. Il y a un coffre. Sur la carte, il y a un coffre, ouais. Mmh. Et ça va me filer les armes. C'est très simple. Il y a genre 3 coffres dans la ville et un truc qui va nous faire gagner un niveau. De la vie. Là, il est là, le coffre. Mmh. Okay. Mmh. Et pareil, on est en pause tant qu'on est à l'intérieur. Dès qu'il y en a un qui sort, ça arrête un peu. Triple shotgun. C'est des armes lourdes. Et tes robots qui sont en train de se faire défoncer là. Ouais, c'est trop grave. Je peux les respawn un peu. Mais oui, on arrête de rester dehors. Ah mais il y a un point d'interrogation là-bas. Ça c'est le truc qui nous fait gagner un niveau. Ah oui, cool. Vas-y. Gain upgrade. Wesh. Mandal, j'en m'en sers pas. Vas-y, la défense, on va prendre. Le boss, il est là. Hein. Ah ouais, ils l'ont provoqué, du coup. Mais si on reste là, on est bon, là. Tes petits bonhommes, ils vont le tuer. Alors ouais, mais ils le tuent très lentement, comme tu peux constater. Ça va, toi, sinon? En vrai, tu veux faire quoi, là? Si on sort, on va se faire ouvrir, non? Comme on est en pause, après, je pense que... Ça va, il les shoot pas, il les shoot, et... Il aurait en pause. Bah voilà. Je regarde en haut à droite, comme on est dans la zone. On n'était jamais arrivé, mais. Non. Alors, quoi de neuf? Bah écoute, je suis en train d'essayer de me faire un plan de financement. Aujourd'hui, il faut que j'achète le reste de mon PC, et puis. Puis voilà. T'as pas fort ce boss, hein? Ouais, franchement, j'ai mis. Ça a l'air quand même d'être le perso de l'arnaque, ton personnage. En fait, ouais, j'utilisais le robot ninja tout le temps, et puis les drones, c'est quand même cool. Bah ouais, même parce qu'ils attirent les tirs et qu'ils shootent. En vrai, ils sont pas très très forts, hein, tu vois, qu'ils mettent vachement de temps. Bah... Le step qui... serait les deux. Parce que du coup, c'est quand même mieux que moi qui ai la mandale et je m'en sers pas. Ça c'est mon pouvoir principal, mon pouvoir secondaire, je balance une petite roquette. Ah ouais, toi c'est un tank quoi, ton perso, faut aller... Bah là remarque, t'aurais pu te mettre en mode invincible et puis coller des bandales quoi. Ouais, ou alors on peut faire ça aussi et gagner... sans rien faire. Tu fais régler la vie là ? Ouais. Ah !
en plus, ce qui est cool, c'est que des fois, tu... il y a des ennemis que t'as pas trop spoté et qui des drones se mettent à te tracker. Un épilade. Easy. Je te suis, vas-y, je te laisse explorer. Ah, merde. Si on veut maxer les... au point à la fin de la phrase. Voilà. J'ai pu bien me heal là, c'est cool. Ah, oui. Oui. Merde, oh, je suis tombé. Ah, assommé. Pas le bon moment pour être assommé. Ah, il y a le boss là, ok. Tu remontes là, du coup. File-moi. Si. Viens de niveau. H. C'est quoi qui me touche là? Il y a des... Ah, il reste en bas. Oh, encore des ennemis là derrière. Attends, j'appuie sur H. Alors, tant que chargeur premium est actif, tirer ne consomme plus de munitions ou d'énergie. Ça a l'air bien ça, tant que chargement premium est actif, tirer ne consomme plus de munitions. Je sais pas ce que c'est, mais je sais pas ce qui traduit chargement premium. On va essayer. C'est peut-être une de tes capacités donc. En fait tu vois quand tu passes. Hop. Au moment où tu... Oh, c'est trop fort, je peux tirer à l'infini. Ouais mais que pendant une courte période. Ouais mais au lieu de tirer que 4 balles, je peux en tirer trop plein quoi. Ok. C'est trop bien. Je tire, j'irai. Ah, il y avait une toile derrière nous, mais trop de l'amputer. En fait. Oh. Parce que le point faible de mon arme c'était justement de pas pouvoir tirer beaucoup. Ah ça me rend vraiment beaucoup plus fort. Je pense que j'ai bien fait de prendre ça. Faut aller où maintenant? Ouais, là, ça a l'air d'être un cul-de-sac. À gauche là. Par là-bas. Avec tab, tu peux revoir la map. Peut-être par là. Ouais. Wait. On n'a pas fait. C'est tellement pété, je peux tirer tellement. Dans la salle, je me prends direct. Grâce elle est trop forte cette amélioration, c'est ouf. Sorti mais je crois que tant qu'on n'a pas buté les... Bah on a buté tout le monde non? Ah non c'est l'entrée pardon. Tant qu'on n'a pas buté tous les boss. Mais on a buté tous les boss, ouais, t'as raison. Ah mais il y a encore plein de monde là. Je suis.
le monde, on aurait des... meilleurs potes. Plus de clés. C'est marrant, Clean. Ouais, faut faire gaffe là parce qu'on est entre deux zones, donc je vais mettre pas. J'ai l'impression d'être enfin un peu fort, alors du coup j'ai envie de tout clean, mais sinon je te suis. Non, t'as raison. Il y a un coffre. Mais non, parce que je me suis pris un tir comme un gros naze alors que je pouvais y arriver. Il est où, là? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ou je veux pas changer d'arme. Ouais, c'est une arme lourde, mais c'est pas mal. C'est tes robots qui ont commencé, c'est pas moi. C'est pas du tout ce que j'imaginais que c'était. Il faut aller où là? Je dirais qu'à gauche. On... droit non? Là où il y a. À gauche, il y a une zone qu'on n'a pas découverte. Ah, oui. Okay. Ah, sommet, non, pas maintenant. J'ai quand même l'impression que de choper des bonus qui améliorent ta santé ou ta ou ton bouclier, c'est quand même vachement fort. Peut-être pour ton perso parce que t'es orienté, il y a l'air d'y avoir un autre coffre. Ah merde, putain, j'ai tout pris. Oh putain, 80 dégâts dans ma face. C'est vraiment bien, hein, le but crossbow. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Là j'ai chopé une amélioration qui fait que tant que j'ai pas dégâts des raflures, les prochains dégâts j'ai plus 20% d'armure, j'ai l'impression de prendre quand même moins cher. Ah, c'est possible que un perso autant que je pense que la survie est... Oh non, on passe. Putain, je me suis fait assommer. Et une super arme là. Ah. Ah remarque, ça c'est un peu marrant. Mais on n'attend pas les autres, on est comme ça, on redéclenche le timer, on attend non. Pas les autres. Non mais c'est une idée nulle les timers dans un jeu comme ça aussi, c'est l'idée. C'est cool ça, ça va passer justement à speeder. Ah tu veux dire la pause, la mise en pause? Non, je suis pas très... timer dans les jeux où bah, tu parcours... enfin... Il y a une capsule ici, je sais pas si tu l'avais déjà eu. Je fais un sur un, donc j'ai vu de l'avoir. Ok. J'ai cru que j'allais être utile, dommage. Alors là c'est bon, c'est, je te dis, c'est le niveau d'avant. Wow. Les petites merdes. Gain de niveau. Ninja. Alors. Allez, dégâts élémentaires plus 10%.
On a bien un peu de heal là. C'est la sortie. Et je crois qu'on a tout clean quand je fais table. Je pense qu'on peut sortir. Bim, en A. Pas mal de niveau. Un dernier niveau avant le boss. Alors, c'est quoi ça? Augmente les dégâts de 15% contre les ennemis volants. Ça peut être pas mal ça. Bah, si tu veux que je reroll tes affixes, après on aura plus de. C'est la dernière fois on aura. Enfin, non, il y aura encore une. Ah, une zone intermédiaire juste avant le boss. Mais potentiellement. T'as plus grand chose à acheter quoi en fonction des robots qu'il y a là, donc si t'as des cellules. Pas... J'ai amélioré mon arme à fond. Niveau 12. Le truc que je veux. Quit. Il y a peut-être une mise à jour, il y a peut-être des choses qui ont changé en fait. Je cherche des trucs. Peut-être. Ah non, il y a. C'est pas mal. On va retrouver aussi des armes. Ouais, yo. Ouais. Deux fois de suite, je prends pour la protection. Pareil, là, c'est une zone complètement ouverte. Aïe. Aïe. Wow, c'est chaud là. J'ai pris ma petite misère. Ah, je suis tombé. Putain, je vais pas y arriver. YOLO. Aïe. Violet. Vraiment tous les tuyaux qui tirent, donc si je me mets derrière. Oh, j'ai joué vraiment comme un. J'ai pris cher. J'étais là un peu en mode.
Au bourrin. Allez. Ça a l'air bien ça. Ouais, si tu regardes en haut, on a deux salles comme ça à faire pour pouvoir sortir. Ok. Franchement, on est quand même pas trop mal, je trouve, par rapport à nos runs précédents. Bah moi, c'est que ma troisième. Ouais. Ah, raccourci. Ah. Encore ça. Je descends. Ah. Boum, gain de niveau. Oh, j'aurais gagné de la vie. Alors, H. Allez, hein, toujours plus de dégâts élémentaires. Faut qu'on aille où, tout droit là-bas? Ah, toujours. Oh, ça a l'air chaud là. Ça, je crois que c'est la porte de sortie. Ah, je me suis fait assommer. On va pas l'ouvrir encore. Elle est pas trop dure à trouver la capsule, la sortie. Tout ce que c'est là-bas. Non, c'est l'autre côté. C'est exactement tout droit. Ok. Comment on y va par là? Ah si, un passage. Regarde pas la carte. Ils sont très nombreux. Ah, assommé ici, quelle bonne nouvelle. Oh, j'ai pris tellement cher. Ah, bah, des tourelles là qui font un laser continu. Ah mais je suis pas du tout avec toi en fait, c'est pour ça. Ah on est chacun d'un côté. Pardon. C'est pas grave. J'ai clean. J'ai pas vu que t'étais parti de l'autre côté. Oh. Ah. Ouais, faut les regarder sur la mini-map, on les voit, ils apparaissent. Là y'a plus rien, mais on peut passer par-dessus peut-être.
Putain, mais j'ai pris 100 là, qu'est-ce qui m'a touché? Aïe 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 aïe. J'ai mis ça en attente de votre brobout. Ah merde, je croyais que c'était moi. Ah non, tombé. Un peu trop cher. Super nul. C'est tellement cher. J'ai tout pris. Je veux du heal. Ah, falloir buter des méchants. Bon. YOLO. Bon bah là on peut partir. Il y a encore à notre gauche là, il y a l'air d'y avoir une zone qu'on n'a pas clean, on pourra peut-être récupérer un peu de vie, mais faut pas s'exposer comme des bourrins. Je crois que je sais faire ça. Vas-y, à toi l'honneur. Il faut quand même que tu sois pas trop loin si tu récupères des gens. YOLO. Bon, je crois que je pense que je suis resté à l'équilibre. T'as gagné un peu plus, t'as gagné un peu plus que t'étais tout à l'heure. Je crois qu'on peut diriger la place au routier. Ouais. S'il y a moyen de nous heal un peu, ouais, mais ça va pas être énorme, je pense. Ouais. Dans la sauce. Blast minigun, ricochet. Non. Si tu veux acheter une nouvelle arme, c'est maintenant. Non. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Battle Royale. Debout. J'ai bien fait de prendre les dégâts supplémentaires sur les ennemis volants, je crois. Je crois que de fait, c'est toujours elle le dernier boss. Sur au point. C'est toi qui as foutu. Je ne sais pas trop, mais là, on dirait que ça va péter. De la stun et de la fin, c'est trop fort quoi. Oh, je suis tombé du niveau, j'avais pas vu qu'on pouvait. Ouais. Eh bah tu vois, elle détruit des... Ah mais elle revient, ok. Elle détruit des cases au fur et à mesure et je crois qu'au bout d'un moment tu peux tomber dans de la lave. Je sais pas quoi. Et ben GG. C'est bizarre parce que je trouve vraiment que les boss sont moins durs que les zones. Ouais, j'ai l'impression que les boss, comme on est deux, ça les... Ils bug quoi, enfin ils bug. Ça facilite vraiment le fait d'être deux. Alors que les zones, bah il y a plus d'ennemis, il y a plus de... Ça compte pas non plus. Ok, non, donc j'ai chopé combien de clés? 54. Yes. Là j'ai débloqué l'éclaireur. Et quasiment le commando, il me manque, il faut que je tue encore 76 ennemis. Et l'autre, je vais le débloquer. J'arrive pas. L'ingénieur, tu l'as chopé ou pas? Bientôt, je pense. Il faut que je sois niveau 4 de campement, je vais voir en dépensant. Ouais. C'est lui qui a les drones. L'éclaireur, c'est le seul que je jouais tout le temps en t'attendant. J'aime bien, il est assez cool.
Améliorer votre campement. C'est quoi les gadgets déjà? Et les trucs là dont je te parle, c'est ici, à droite là de la Ouais. classe, la gadget, et c'est ça qui te donne des espèces de bonus in-game, des trucs comme ça. Genre voir que les ennemis lâchent des armes, faire un méga saut, ou le fait que moi les rerolls des affixes me coûtaient un mois. Ce genre de petits modificateurs permanents pour la game. C'est assez cool en fait. Ceux de base ils sont pas incroyables, mais plus tu vas augmenter le truc des gadgets, plus t'en auras des différents. Je trouve ça cool, ça te permet de changer un peu les styles de tes games. Hop, j'ai tout dépensé, je suis pas niveau 4, mais je suis